Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 4 boosters Pokémon XY série de base. Donc pour cette petite ouverture, j'ai pris les 4 illustrations que je vais vous présenter. On a Yveltal en premier, un petit Xerneas, ou pardon. Ouais, attendez. Oui, c'est juste, j'ai cru que je m'étais trompé. Un méga Florizarre qui pète, suivi d'un méga Tortank. Alors l'illustration la plus belle d'après moi, c'est sans aucun doute le méga Florizarre. Je trouve que les illustrations sont pas top pour cette série, elles sont pas moches, mais il y a mieux. Donc on va garder le méga Florizarre pour la fin parce que je le sens bien, et on va aller un peu dans le désordre après. Donc on va les mettre de côté, et on va commencer avec celui-là. Donc le dos du booster, si ça intéresse des gens, je vais se mettre pause et lire tout ça. Donc c'est parti les amis, j'espère que j'aurai de la chance. Donc c'est parti, donc le code online pour ceux qui le désirent. Le petit 1, 2, 3, 1, 2. Et on est parti. Donc en premier lieu on a une énergie que je ne connais pas. D'accord? Suivi d'un Friajou qui est tout mignon. Un Pikachu qui nous fait un petit clin d'œil, là ça c'est cool. Une énergie plante. Un Fennec. Un Musiole. Un petit Solarock. Un Coxyclac. Il est cool, j'adore l'illustration. Un Goupelin en... en reverse, pardon, qui est vachement beau, et un Brutapod en rare. Donc, c'est déjà pas trop mal parce qu'on a un magnifique, on va mettre les cartes un peu de côté, un magnifique Goupelin en rare, en reverse, pardon. Il est pas si mal que ça. On continue avec le booster Tortank, en espérant qu'on ait une petite ultra dans ces boosters. Booster que j'arrive pas à ouvrir pour changer, enfin que je défonce comme à chaque fois. Donc, de nouveau le code. Oui, vous l'avez vu. 1, 2, 3, 1, 2. Et on commence avec un... Si j'arrive à tenir les cartes. Un Sepiatop en rare. En rare, hein, en commune, pardon. Un petit Marisson. Un Flamajou. J'aime bien l'illustration, elle est sympa. C'est une série que j'ai très peu ouverte, donc je connais très peu les illustrations. C'est peut-être les cinquièmes boosters que j'ouvre. Un Starry, ah, le fameux Starry, première génération toujours là. Un Sucroquin avec sa petite langue. Un Brésillon. Un petit Ponchien. Une super potion toujours utile. Un Flambusard en reverse, il est magnifique. Et un Rhinophéros en rare, donc de nouveau une reverse qui est sympa, une rare, quand même cool. Donc c'est les reverse de type feu aujourd'hui. Continue avec le fameux booster. Ah, j'espère que celui-là nous portera chance. Le code online est le 1-2-3-1-2 que j'ai failli me tromper. Donc on commence avec un Limagma, de nouveau un Sepiatop, une énergie acier. J'essaie de garder les cartes coupées pour pas qu'elles se mélangent, mais c'est pas facile. Un Brocélome, un Coquillas, un Sepiatop, un Rappelmax, un Pérégrin. Autre... Ah, un Pérégrin en reverse, d'accord. Alors on a un Pérégrin en... C'est une peu commune. Et un Pérégrin en reverse suivi d'un Chevroom en holographique. Ah, quand même un peu de chance dans ces boosters. Donc Chevroom, on va te mettre de côté avec les autres. Et le méga booster, méga Florizarre, qui risque de nous porter chance, je le sens bien. Donc c'est parti. Je le sens bien, je vous le dis, je le sens bien. Avec le code 1, 2, 3, 1, 2. Ah,
On va essayer de pas s'embrouiller les cartes. Alors, un petit pont chien. Un nabot qui est sympathique. Un hirondelle en plein vol, pleine attaque. Un taupiqueur qui surgit du sol de façon violente, il a l'air énervé. Suite de ça, un masque à aimant. J'aime bien l'illustration. Un Evolusoda, bon, les cartes dresseurs, c'est pas le plus intéressant, mais elle est encore sympa celle-là. Un Ansolourdo. Olivier. Donc, je sais pas d'où il sort lui, mais. Un Dardanian en reverse pour changer. Et un Groray en rare. Bon, c'était pas la chance. On a quand même eu une petite holographie qui n'est autre que Chevroom, qui est quand même sympathique. Ah, j'adore ces effets quand ça brille. C'est juste magnifique. Donc, on va mettre le Chevroom, on va mettre les holos qui vont avec, si j'en oublie pas. Donc un Chevroom, un Flambusard, un Peregrin et un Goupelin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire pour dire ce que vous avez pensé, si vous avez envie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut tout le monde, bye bye!